Toujours une joie pour moi de pouvoir venir chanter le Seigneur. Amen. Glorifie le Seigneur parce que l'autre jour, mardi, vous étiez là, vous avez pu entendre des témoignages du frère qui parlait pour notre bien-aimé sœur, ainsi aussi pour ce qu'il a fait aussi pour les factures qui étaient à faire. Et ça m'avait rappelé un témoignage que je voulais garder pour moi, mais le Seigneur poussait aussi à ce que je puisse le donner. Quand vous saviez, bon, il y a eu une union, bon, on a acheté une maison et dû à la séparation, il fallait vendre la maison. On avait fait un prêt de 200 000 euros et la maison a seulement été vendue 150 000 euros. Donc il restait encore 50 000 euros à donner. Ce qui aurait été un peu difficile parce que les temps sont un peu durs pour tout le monde, c'est sûr. Mais par la grâce, le Seigneur a touché vraiment les cœurs. La banque a accepté les 150 000 euros et ils ont dit on fait table rase pour le reste. Amen. Nous ne devons jamais perdre de vue qu'il est là à côté de nous. On doit vraiment rester accroché à lui. C'est vraiment une grâce. Quand on entend nos frères, tout prédicateur nous dire que vraiment les temps de la fin sont arrivés, et c'est vrai. On voit les signes et on s'approche encore de plus en plus. Tout à l'heure d'ailleurs, juste avant de venir, quelque chose va vraiment blesser, mais vraiment blesser. Ils viennent de sortir la Bible pour l'équipe. Et oui, quand vous entendez ça, mes frères et sœurs, on s'approche vraiment de la fin. La Bible pour l'église. Oui, sérieusement. Enfin, que le Seigneur soit béni parce que lui, il nous garde sur le même chemin. Mon cœur angoissé sous l'œil sévère de Dieu.